Alors, bonjour à tous. On va commencer. Donc, je vois qu'on est en live sur Facebook aussi. Tout d'abord, je tenais à tous vous remercier d'être présents sur ce live. Je souhaite remercier Singa France et l'accélérateur de Singa de permettre cet échange autour de l'inclusion financière. Et la fondation Edmond Rothschild qui supporte l'accélérateur de Singa, qui accompagne différents porteurs de projets sur différentes thématiques et on est là justement pour parler de l'inclusion financière. Donc l'inclusion financière est l'ensemble des dispositifs mis en place pour lutter contre l'inclusion bancaire, et on sait tous que quand on vient de différents milieux, qu'on vient de différents pays ou qu'on soit des membres de différentes associations, on n'a pas forcément les chances de pouvoir accéder à des financements. Et l'objectif justement de ce live avec Susanna, Christina et Julien, c'est de donner des clés à toutes les personnes qui souhaitent avoir accès à des financements pour pouvoir lancer leur projet. Je vais demander à Susanna Nunes de We Do Good de se présenter, et tous les intervenants vont avoir quelques minutes pour pouvoir nous parler un peu d'eux et de leurs différentes institutions. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Susanna, je suis cofondatrice de We Do Good. Nous, chez We Do Good, notre mission au démarrage, et c'est toujours notre mission, c'était de développer un modèle de financement permettant de démocratiser l'accès au financement, notamment pour les petits projets ou les projets en démarrage. Il y a un deuxième volet qui est aussi de démocratiser l'accès à l'investissement, parce qu'on considère qu'en fait tous les citoyens ont un impact et il faut rendre l'investissement accessible pour qu'ils puissent aussi contribuer à leur échelle. Et du coup, on le fait avec un modèle de financement en royalties que je vais peut-être pouvoir vous présenter un peu plus tard. Merci Susanna. Julien de la NEF, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la banque éthique La NEF et ce que vous proposez ? Tout à fait. Donc Julien, conseiller grand compte à la banque éthique La NEF, coopérative financière qui existe depuis plus d'une trentaine d'années aujourd'hui et qui s'est donné comme objectif de faire un métier de banquier de manière éthique et transparente. Ce qui nous amène à financer par du prêt les entreprises, les associations à impact environnemental, à impact social, à impact culturel, en métropole, mais aussi sur la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Merci. Christina Vaida de FER. Oui, bonjour. Donc, je suis déléguée générale d'un fonds de dotation qui a comme objectif de soutenir les entrepreneurs réfugiés. Donc, FER, Fonds d'action et d'innovation des réfugiés entrepreneurs, a été créé en 2018. Donc, on est assez jeune, assez récemment. Et notre fondateur, celui qui a eu l'idée, c'est un fonds privé. Lui-même est entrepreneur à succès et réfugié. Il est passé par un parcours de réfugié, donc Nick, notre fondateur, d'origine thaï, connu pour ses propos pro-démocratie. Il a été contraint de fuir de Thaïlande en 2014 avec l'arrivée du junte militaire. Et justement, cet événement choque dans sa vie, où il était forcé de laisser derrière lui sa famille, son entreprise qui était sur le point de faire une entrée en bourse. L'a fait beaucoup réfléchir et s'est rendu compte que les forces qui lui étaient demandées pour arriver à survivre et aller de l'avant face à cette expérience, étaient aussi beaucoup de qualités qui étaient nécessaires pour réussir en tant qu'entrepreneur. Et au fur et à mesure de ses réflexions, son installation en France, il a redémarré sa vie une fois que sa situation était stabilisée. Il a réinvesti dans un startup français, dans le tech, et puis il s'est dit, mais je ne suis pas le seul, il y a d'autres qui ont envie. Et d'où est né le programme et le projet de FER qui soutiennent les réfugiés entrepreneurs via des programmes d'incubation avec nos partenaires et un programme de prêt d'honneur. Super, merci beaucoup. Justement, quand je vous écoute, je pense à mon histoire personnelle quand je suis arrivée en France et je me souviens de la difficulté, ne serait-ce que d'ouvrir un compte bancaire
pour un particulier. Donc, je me dis, quand on souhaite monter une entreprise, quand on a un projet et qu'on arrive, on ne sait pas forcément qu'il y a des solutions alternatives quand on n'a pas les prérequis en fait, que les banques traditionnelles nous proposent. Donc, je vais vous demander à chacun de nous dire en fait, comment est-ce que vous répondez à cet objectif dans vos entreprises. Qu'est-ce que vous avez mis en place et comment ça fonctionne? Donc, pour cette première question, je vais demander à Julien de la NEF. Est-ce que tu peux nous dire en interne, justement, comment est-ce que ce financement alternatif est mis en place pour des personnes migrantes ou des associations hybrides? Nous, de notre côté, on a vraiment comme porte d'entrée première vraiment le projet. On ne regarde pas le statut de l'entreprise. Forcément, la NEF va forcément financer une entreprise, qu'elle soit une entreprise individuelle ou une personne morale ou une association. Mais on ne va pas s'arrêter à ça comme porte d'entrée. On va vraiment s'intéresser à ce que le projet, est-ce que l'activité envisagée par la ou les personnes sont en phase avec nos secteurs d'activité ou en tous les cas les secteurs environnementaux, sociaux et culturels que l'on souhaite promouvoir. Après, c'est vrai que une personne ou un groupe de personnes qui viendrait à créer une structure en étant migrant, on aura quand même cette approche-là. C'est-à-dire, si l'activité n'entre pas du tout dans les champs d'intervention de la NEF, s'oppose au champ d'intervention, tout ce qui est environnement, ce genre de choses, on aura tendance à pas y aller. C'est-à-dire, voilà, ça ne rentre pas dans nos champs d'intervention. À côté de ça, on peut, en lien avec une association ou en lien avec un collectif, être amené à financer un projet en lien avec l'inclusion de personnes qui ont justement cette difficulté à s'insérer économiquement ou autre en France. Donc, on va pas forcément avoir un programme précis ou vraiment quelque chose de ciblé, mais on va être à l'écoute, bien entendu, comme sur l'ensemble des projets que l'on finance, que l'on soutient, on va être à l'écoute quand même de ce qui est porté comme projet, sauf si l'activité s'oppose en tout point à ce que l'on souhaite promouvoir. Je dirais qu'il n'y a aucune raison que l'on puisse pas soutenir la création, voire le développement d'une activité. Merci. Et Christina Schaeffer, comment est-ce que vous mesurez en fait que ces objectifs sont atteints en interne? C'est quoi les outils mis à disposition de vos équipes, par exemple, pour être sûr que votre mission est accomplie? Ah, nos équipes, on est une toute petite équipe Schaeffer. Mais en fait, nous, on va aborder l'évaluation comme n'importe quel investisseur. C'est-à-dire, on a un processus de due diligence où nous allons voir justement tous les aspects du business. Donc, c'est vrai que dans le processus, et après, on ajuste en fonction d'eux, dans le sens où nous, on a la capacité de soutenir des structures qui ne sont peut-être pas tous au même endroit. Sachant que FAIR se spécialise dans le tout début de chaîne de valeur. Donc, la création, on va partir de l'idéation jusqu'à, idéalement, notre envie et notre souhait dans la mission, c'est de pouvoir les permettre d'avoir leur hard launch, c'est-à-dire le lancement complet, financement en main avec le business plan, avec des achats, avec des clients, etc. Et du coup, on leur met, enfin, quand on termine notre soutien, c'est qu'ils sont à niveau égal avec n'importe quelle entreprise ici en France. Et du coup, c'est les lois de marché qui vont définir, le succès ou pas. Mais en termes de due diligence, comme n'importe quelle autre structure, on va évaluer le projet. Donc, c'est clair que s'il s'agit de quelqu'un qui vient vers nous pour un financement d'un prototype, donc, c'est-à-dire, ils sont très
très, très, très en amont. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément de preuve de marché. Mais du coup, nous, on va évaluer l'étude de marché, comment ils ont identifié le besoin, quelle est leur réponse proposée dans l'outil qui est le prototype. Donc, on va évaluer leur réflexion, etc. Et puis, il y a un part de ce qui a été mis en place. Il y a aussi une évaluation de connaissance de soi. Est-ce que l'entrepreneur est conscient de ses forces, de ses faiblesses, comment combler à ces éléments? Personne ne peut tout faire, personne n'est expert en tout. Donc, forcément, il faut avoir une connaissance aussi de ce qu'on apporte dans le business qu'on essaie de lancer, notre startup, et ce dont on a besoin de chercher ailleurs. Donc, on va chercher cette connaissance de soi. Après, qu'ils ne savent pas où chercher, ça, ce n'est pas un problème. Nous aussi, on a un accompagnement qui va pouvoir les aider là-dessus. Mais vraiment, on va évaluer ce qui a été fait jusqu'à présent, combien ça tient la route. Et puis, on va aussi évaluer l'entrepreneur. C'est aussi une question de relation. Si nous, on va travailler prochement avec cet entrepreneur, bah, est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Est-ce qu'on croit qu'il y a une bonne relation de travail qui peut s'instaurer pour permettre, on est là pour les soutenir, mais après c'est à eux de faire le travail. Donc du coup, toute cette évaluation, enfin des outils comme n'importe quel outil d'évaluation de business plan, s'il y en a, de la stratégie marketing, s'il y en a, s'il n'y en a pas, pourquoi, on va poser des questions. Donc c'est tout un processus d'évaluation par information, d'échange, de réunion. Et puis, le processus de validation, je pense qu'on va en parler peut-être un peu plus tard. Mais du coup, voilà, ça, c'est une autre expérience, mais qui suit beaucoup de, je pense, beaucoup d'autres structures de financement. Enfin, voilà, nous, on est un fonds de dotation, un outil philanthropique, mais on dit souvent, on n'est là pas pour faire de la charité. Donc, juste parce qu'on a une idée, ne veut pas dire que ça va être financé. Il faut que l'idée tienne la route aussi. Merci. J'aime beaucoup cette idée de ne pas faire de charité. Sana de We Do Good, justement, est-ce que tu peux nous dire aussi chez vous, comment est-ce que vous mesurez que vous avez atteint vos objectifs pour permettre un accès à ce financement qui est alternatif? Ça marche. Juste pour rebondir sur la difficulté d'accès aux banques, même pour les particuliers, quand je suis arrivée en France, je suis citoyenne européenne et j'étais déjà... Il y a des banques qui m'ont refusé, donc je confirme que ce n'est pas évident. Donc nous, chez We Do Good, c'est l'outil même que nous avons développé qui nous permet de répondre à cet objectif-là. En fait, nous, ce qu'on avait constaté, c'est qu'une des problématiques dans le financement, c'était le coût de gestion. En fait, il y a des fonds d'investissement et même des banques qui aujourd'hui ne financent pas un projet en dessous d'un certain montant, par exemple 1 000 euros, voire plusieurs centaines de milliers d'euros pour des fonds d'investissement, c'est parce que derrière, le coût de gestion est trop élevé. Ça veut dire que ça va leur coûter beaucoup trop cher pour pouvoir financer ce projet-là. Et en fait, aujourd'hui, quand on voit des porteurs de projets, parfois, ils ont juste besoin de 10 000 euros, de 15 000 euros, 20 000 euros. Donc, nous, notre problématique était de trouver une solution de financement permettant de financer ces projets-là tout en ayant derrière assez peu de coûts de gestion et de mise en place de financement. Et donc, on a passé pas mal de temps à réfléchir, à regarder à droite et à gauche ce que se faisait, notamment aux États-Unis, où il y a une diversité de financement plus importante. Et on est arrivé au modèle des royalties, qui en fait existait déjà en France, mais sur une autre forme, notamment dans le monde de la franchise et dans le monde de la musique. Et ce modèle-là, il est vraiment très simple à mettre en place et à cet avantage-là des coûts de gestion qui sont faibles et qui permettent de le rendre accessible au projet à partir de 10 000 euros. Donc, ça veut dire qu'un entrepreneur ou une entrepreneuse qui a besoin de 10 000 euros, il va pouvoir passer par nous sans problème. Pareil côté investisseur, ça nous permet de le rendre accessible à partir de 10 euros, ce qui est quasiment inexistant en France aujourd'hui. Pouvoir investir avec un billet de 10 euros, ça n'existe pas. Sauf chez WeDoWeb. et donc, c'est ça que nous avons développé. Et très concrètement, en fait, c'est un modèle qui est très transparent et concret parce que quand on investit, on va investir en échange d'un pourcentage des revenus futurs du projet. Donc, ça veut dire que ma rentabilité à moi, si j'investis par exemple 100 euros, va dépendre vraiment du succès du projet, de combien de chiffre d'affaires il va générer.
Et donc, on est vraiment dans une logique de répartition de la valeur, de partage des risques avec les porteurs de projets. Et comment on mesure notre réussite? Bah, c'est par le nombre de projets qu'on a accompagnés. Aujourd'hui, on est à plus de 100 projets qui ont été financés sous la plateforme. On a un taux de réussite qui est supérieur à 80%. Donc, ça veut dire que les projets, ils arrivent à trouver du financement. Et on a plus de 5 millions d'euros levés avec ce modèle-là. Et surtout, ce qui est assez intéressant à voir, c'est que dans la communauté d'investisseurs, on a une communauté qui est vraiment très atypique. On va avoir vraiment tout le monde, de citoyens qui veulent juste donner un petit coup de pouce à un projet qui lui plaît, à un investisseur un peu plus qualifié. Et surtout, on est quasiment à la parité homme-femme, ce qui est assez inédit en France aussi et qui est la preuve concrète qu'on est vraiment sur une logique de démocratisation. Passionnant, merci. Et tout ça, ça me fait réfléchir. En fait, quand je prends le chemin que j'ai vécu, par exemple, sur mon projet entrepreneurial de manière très personnelle, je me dis, quand on arrive en France et qu'on veut lever des fonds, en fait, on n'arrive pas en se disant, j'ai un projet, je veux lever des fonds. C'est une histoire qui commence, c'est des rencontres. Et tout ça se fait sur du temps assez long. Et certaines personnes peuvent avoir un projet, une idée de projet, ils veulent y aller. Et ils ne vont pas forcément avoir ce support system qu'on a au début, qui nous permet de faire le friends and family. Donc, c'est vraiment les amis proches, l'entourage proche. Souvent, c'est les amis qu'on a pu se faire en France parce que notre famille est restée au pays, comme on dit, qui va dire je te soutiens, je mets 1 000 euros pour certains, 5 000 euros pour d'autres, qui va nous permettre justement de faire ces premiers proof of concept, de pouvoir lancer l'idée pour ensuite aller lever des fonds auprès d'institutions ou de business angels. Et la question que j'ai à vous poser, c'est pour des personnes qui viennent d'arriver, qui n'ont pas ce support system, qui ont une super idée, c'est vraiment l'idée révolutionnaire, si vous aviez à leur donner 3 informations, à partager vraiment 3 clés pour qu'ils puissent lever ou trouver une somme symbolique qui leur permette de passer à ce proof of concept, quelles seraient ces 3 informations ? Julien, par exemple, de la banque éthique, la Nef, c'est quoi les 3 informations que tu partagerais? Une première information qui va aller avec le reste, mais une première information déjà, ça serait de dans un cercle restreint, un cercle d'amis justement, ça serait de parler le plus clairement possible de son projet, de manière à pouvoir déjà auprès de sa communauté, j'irais proche, de ses amis proches, de pouvoir déjà tester le projet, tester l'idée, et puis avoir des retours directs de personnes en face sur des questions, de manière justement à ce que la personne, une fois qu'elle va devoir, collecter des fonds, ou en tous les cas faire des demandes de financement, eh bien, ce travail en amont servira justement dans la présentation qui sera faite. Et souvent, je pense qu'on, mais pas tout type d'entrepreneur, a tendance à mettre son projet sur le papier sans forcément en parler autour de lui, alors que je pense que bien souvent, ça pourrait permettre d'accélérer justement, parce qu'on cherchait à accélérer, ça permettrait d'accélérer les retours en face des éventuels financeurs, parce que justement ce travail de questionnement et d'affiner son projet et donc en répondant à ces questions serait fait. Ce qui m'amène du coup un peu à une deuxième idée, ce qui est le financement participatif. Nous par exemple à la Nef, on a du coup le Zest, qui est une plateforme de financement participatif, et qui justement va s'appuyer sur cette présentation claire du projet, mais va aussi beaucoup s'appuyer sur sur les amis, sur les réseaux très proches et un peu plus éloignés de la personne ou du collectif qui porte son projet. Donc du coup, de pouvoir avoir déjà, de préparer en amont son projet, mais aussi sa présentation, et peut-être essayer d'aller vers des outils qui ne sont pas forcément des banques, sur des outils alternatifs, style plateforme de financement participatif, où du coup on est dans une synergie entre le collectif qui entoure la personne,
Et puis, j'irais sa préparation de son projet et de sa présentation. Super, merci. Susanna de We Do Good. Chez Singa, par exemple, on a Pizza Bobo, qui est une très, très belle aventure. Justement, il avait besoin de passer à l'échelle et qu'il avait besoin de trouver d'autres financements, ce serait quoi les trois informations que, voilà, que tu partagerais pour We Do Good, en fait, pour qu'il puisse supporter ce projet? La première, c'est peut-être participer à un de nos webinars. J'en anime un cet après-midi. C'est pas uniquement sur notre mode de financement, mais sur l'ensemble des modes de financement participatif, dont le don qu'on peut faire Zest. Et du coup, ça permet d'avoir une idée de quel est le mode de financement participatif qui peut éventuellement correspondre à mon projet et comment je m'y mets, avec quel type d'acteur, comment je me prépare. Donc, c'est assez, assez pratique. Et après, les deux autres, c'est des conseils qu'on donne aux projets qu'on accompagne, parce que si on fait du financement participatif ou pas, c'est la même chose. La clé, c'est de construire sa communauté, de créer du lien avec ses futurs clients, avec ses futurs utilisateurs, de les connaître, ça permet de faire évoluer le projet. Donc, il ne faut vraiment pas oser, comme Julien le disait, de parler de son projet. En fait, on ne va pas nous piquer des idées. La valeur du projet n'est pas l'idée, mais les personnes qui le portent, les compétences qu'elles ont, l'engagement. Donc, il faut vraiment oser en parler, parce que ça va permettre à la fois de trouver des personnes qui vont peut-être nous accompagner dans la durée, qui ont des expertises complémentaires, qui vont venir nous challenger. Nous, chez We Do Good, on a fait beaucoup et aujourd'hui, on en a encore des personnes comme ça qui nous suivent et qui nous conseillent régulièrement. Et les moments où ça va bien, c'est bien, mais c'est dans les moments où ça va moins bien que c'est vraiment indispensable. Et après, ça permet de construire sa communauté et de l'activer à un moment donné. Par exemple, quelque chose de très concret, c'est qu'on en va à un événement, on ne distribue pas sa carte visite, mais on collecte des cartes visite pour pouvoir construire sa base de données d'adresse et pouvoir la solliciter plus tard si besoin. C'est vraiment une clé pour le financement participatif, mais pas que. Vraiment construire sa communauté. Merci beaucoup. Et Christina, chez FAIR, trois informations à passer à des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs qui souhaitent trouver des financements pour lancer leur projet. Je pense que déjà, FAIR, on est là. et notre programme de prêt a justement comme objectif de combler ce manque d'apport, de love money, dont on demande partout. Donc, c'est vrai que... il ne faut pas avoir peur. Enfin, en fait, je vais faire écho à ce qui était déjà dit par Julien, Susanna, c'est qu'il faut en parler. Il faut en parler autour de soi. Et c'est vrai que faire, non, je ne vais pas vous mentir, on ne va pas pouvoir financer tout le monde. C'est dans la nature de nous, on a une petite structure. Et puis aussi, il y a des projets en particulier que nous, on va être focus dessus, des projets à grande envergure qui ont vocation à avoir un grand impact économique à niveau minimum national, mais voire international. Mais on est là. Donc, et nous, notre processus, c'est assez clair. On commence par simplement un petit formulaire qui est disponible sur notre site web, faire.eu. En anglais et en français, c'est nos deux langages de travail. Avec juste quelques éléments de base. Et c'est le point de départ pour dire, OK, est-ce que c'est un projet qui rentre dans le cadre de FAIR ou pas? Et si ce n'est pas, nous, quand même, on travaille avec un écosystème. Donc, on a nos partenaires directs comme Singa, organisateur de ce panel aujourd'hui, de cette table ronde. Et voilà, on travaille avec Make Sense, avec Singa, avec Place Network, qui ont des programmes de pré-incubation et incubation qui permettent justement de faire évoluer l'idée et de rencontrer des gens. Donc, on peut justement conseiller vers ces programmes. On a aussi un autre partenaire, Tech Fujis, qui organise des hackathons si on a un projet tech. Donc, il y a des moyens. Et puis, je vais faire écho aussi à Susanna dans cette idée de réseau. Et Julien aussi, c'est-à-dire que le réseau, c'est très, très important, mais comment est-ce qu'on le construit au début? Et c'est vrai que ça, c'est un vrai... c'est une barrière. C'est une barrière quand on ne parle pas forcément la langue, quand on ne connaît personne. Mais du coup, j'ai envie de dire parmi nos partenaires, et du coup, Singa, il y a plusieurs activités sociaux qui vont avec, qui sont très
important pour justement construire son réseau amical et autres, mais aussi Make Sense, le réseau, ils ont créé, enfin, le confinement oblige, ils ont créé tout un système en ligne où on peut participer à des webinaires, etc., qui nous permet de voir un tout petit peu. Je constate, en live, quand on ne maîtrise pas la langue, en live, c'est mieux. Parfois, c'est compliqué aujourd'hui, mais il ne faut pas hésiter à aller de l'avant. Nous ne participons pas dans des campagnes de... J'ai un trou de vocabulaire. Crowdfunding, voilà. Mais il y a plusieurs sites qui sont accessibles et qui sont là pour ça. Et on a des entrepreneurs qu'on soutient aujourd'hui qui sont passés par là. Donc, je dirais, faut pas hésiter. On n'a rien à perdre. Donc, créer une site sur une page sur un site de crowdfunding, c'est assez simple. On peut demander justement à son entourage ou si on fait partie du réseau Singa ou autre, de demander de l'aide. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter. Et c'est vrai que faire notre engagement avec notre programme de prêt d'honneur, c'est-à-dire un prêt à taux zéro, c'est aussi que ça peut être pris par l'entrepreneur comme mon love money, voilà mon apport, ce qui déclenchera par la suite assez rapidement. Et on a déjà eu cet impact. C'est d'ailleurs, on est jeune, comme je vous ai dit, donc nous, on n'a pas des années de résultats, mais on voit déjà avec les trois entrepreneurs que nous soutenons que pour la plupart, en fait, le déclenchement immédiat d'une subvention BPI est parti direct après le prêt. Et donc ça aussi, pour nous, c'est important. Il faut que notre soutien, on ne peut pas être le soutien total, mais que ça déclenche d'autres, ça facilite l'accès à d'autres subsides ou d'autres modes de financement qui permettent justement de faire la totalité, de remplir les besoins de financement. Super, c'est un levier. Donc, si j'essaie de résumer pour les personnes qui nous regardent, les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs, parlez de votre projet, créez votre communauté, donc allez voir différentes plateformes comme Singa et d'autres, et testez le crowdfunding, qui vous permet justement de collecter peut-être des petits dons, mais ça vous permettra d'avoir un premier levier pour passer justement à l'échelle. Donc, c'est ces trois idées qui me parlent. Et alors, tout ça me rend très enthousiaste et très positive. Et en même temps, quand on regarde le constat, on se rend compte qu'on est encore très loin. C'est-à-dire, on est là pour parler d'inclusion financière, on est là pour parler de personnes, soit migrantes, soit qui portent des projets d'associations hybrides dans l'ESSS, qui ont énormément de mal à accéder à des financements. Donc aujourd'hui, dans vos différentes organisations, quels sont les plus grands défis, justement, auxquels vous faites face pour pouvoir permettre cette mission, d'avoir cette ambition en fait, d'inclusion financière? Donc Susanna, chez We Do Good, par exemple, avec toute la grande volonté du monde, quels sont les défis en fait, auxquels vous faites face aujourd'hui? Le défi, c'est vraiment la démocratisation. C'est beaucoup de pédagogie. On existe depuis 2015. On a passé beaucoup, beaucoup de temps à faire de la pédagogie, à la fois auprès des porteurs de projets, mais aussi auprès des citoyens. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais on peut avoir tous un impact avec notre argent, même si on n'a pas beaucoup de moyens. On n'est pas obligé d'être toujours dans une logique de don ni de charité quand on veut soutenir un projet. On peut le regarder autrement. On peut avoir une posture où on va être tous dans le partage des risques de la valeur avec les personnes qu'on va soutenir. Et donc, c'est pas évident de parler d'argent en France, je trouve. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce sujet. Et du coup, pour moi, il faut que chacun d'entre nous, c'est un travail personnel à faire, qu'on s'interroge, c'est quoi, à quoi sert mon argent, qu'on y laisse sur un compte épargne, quand je soutiens un projet, comment il génère de la valeur, comment il génère de l'impact, comment je peux faire, moi aussi à mon échelle, pour qu'il ait plus d'impact encore. Et via des outils qui existent aujourd'hui, comme le financement participatif, tout le monde peut avoir un impact avec son argent de manière très concrète et transparente et de manière accessible aussi. Je disais, à partir de 10 euros, c'est accessible à tout le monde. Donc, il faut juste prendre le temps de se poser la question.
Merci. Donc, ton plus grand défi, c'est surtout au niveau de la pédagogie pour les personnes qui ont le financement et qui doivent le mettre à disposition. Oui, le défi, c'est ça. C'est parce qu'il n'y a pas assez de financement en France aujourd'hui. Il n'y a pas une université assez importante d'acteurs de financement non plus. Et donc, le défi, c'est de rendre tout le monde des financeurs. Parce que si tout le monde contribue sur des projets, on augmente déjà le nombre de projets financés, mais aussi la diversité. Parce qu'on sait que la diversité des financeurs, ça va automatiquement augmenter la diversité des projets financés. On le voit sur la question de la mixité, par exemple. On sait aujourd'hui que quand on a une équipe d'investisseurs qui est mixte et qui prend des décisions sur les projets à soutenir, dans les projets à soutenir, on va avoir une plus grande mixité aussi en termes de projets financés. Donc, je pense que c'est valide pour tout type de différence dans les projets. Merci, très pertinent. Julien, à la NEF, quels sont les défis justement pour faire en sorte que cette inclusion financière à laquelle tout le monde aspire ici puisse se concrétiser en fait et ait des résultats très concrets? J'irai sur deux points principaux. Un premier point qui rejoint complètement Susanna sur le côté financement participatif. Où je rejoins complètement ce qui a pu être dit par rapport au fait que je ne sais pas si l'idée est de faire en sorte que tout le monde soit financeur potentiel, mais en tous les cas de permettre, de par les outils de plateforme de financement participatif, en tous les cas, de permettre à toute personne de pouvoir aller plus loin que dire « Ah, il est sympa ce projet !» C'est-à-dire « Ce projet, il est sympa, il me parle, il me touche et je vois qu'il y a un besoin financier et je peux participer comme un petit colibri, je peux participer avec quelques euros ou quelques centaines d'euros si j'ai plus d'argent à ce projet, à la mise en place de ce projet, avec des contreparties ou sans, ça je dirais c'est autre chose, mais en tous les cas ce projet me touche et j'ai envie de le soutenir, qu'il soit local, mon voisin ou qu'il soit un peu plus loin à gauche ou à droite. Ce premier point-là, donc c'est le premier défi, je dirais. Second défi, en tous les cas pour la NEF, il va être aussi pour mieux répondre, que ce soit en qualité, mais surtout en volume, pour mieux répondre aux personnes, ça va être d'être davantage connu. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à la NEF, on a cette particularité, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément une grosse problématique de ressources, même si, pas non plus exagérer, mais en tous les cas, c'est pas notre priorité vraiment numéro une aujourd'hui, d'aller chercher du capital, de l'épargne. Du capital, je nuance un petit peu, parce que c'est toujours important pour une structure comme la NEF, le capital, parce que ça permet justement d'assurer un développement. Mais en tous les cas, on n'est pas dans une recherche acharnée d'épargne, parce qu'aujourd'hui, ce que fait la NEF parle à beaucoup de gens, et donc du coup, beaucoup de personnes viennent vers la NEF pour déposer de l'épargne. Par contre, on a toujours besoin de développer nos encours crédits, parce que on a depuis déjà pas mal, plusieurs années maintenant, fortement développé nos financements et nos encours de crédit. Mais par rapport à notre ressource, on a encore largement de quoi faire. Et ça passe par une meilleure connaissance des entrepreneurs, mais aussi des prescripteurs qui peuvent mieux nous connaître et donc du coup nous aiguiller des beaux projets à financer sur les territoires. Super. Donc, j'entends deux choses en fait. Il y a la partie qui rejoint We Do Good. Il faut qu'on démocratise quelque part le financement. Donc, que tout le monde puisse se dire j'ai un peu d'épargne, je peux participer à un projet. Et ensuite, il y a un vrai sujet de communication. Comment est-ce qu'on fait connaître ces dispositifs et comment est-ce qu'on fait aussi de la curation d'entrepreneurs en fait. Comment est-ce qu'on récupère les beaux projets et aujourd'hui, à la NEF, vous allez plutôt aller chercher des projets ou vous allez attendre qu'on vous pousse des projets?
Les deux. On est dans, je dirais qu'on est dans les, on est complètement dans ces deux démarches complémentaires, mais où on était vraiment sur une démarche de réceptionner des projets il y a encore une dizaine d'années. Aujourd'hui, on est vraiment beaucoup plus sur cette recherche d'être bien connu, d'être connu, d'être bien connu de la part des réseaux. Hein, on en parlait tout à l'heure des réseaux, mais ça marche aussi pour nous, d'être bien connu dans les réseaux, bien connu des prescripteurs, d'être et des entrepreneurs, parce que le bouche à oreille, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, qui met souvent du temps à se mettre en route, mais qui fonctionne très bien et qui est solide. Et donc du coup, voilà, aujourd'hui, on est vraiment là-dessus. Super. Et Christina Schaeffer, les défis face à cette mission d'inclusion financière, en quelques mots, ça serait décrit comment? Ben en fait, pour faire, en fait, ça revient beaucoup à ce qu'a dit Julien, c'est-à-dire nous, en tant que jeune structure, hein, ben nous, c'est trouver les entrepreneurs. On est là. Mais le sourcing, ce qui est compréhensif, dans le sens où pour beaucoup d'entrepreneurs issus de la migration forcée, bah, quand on passe par le parcours, déjà, enfin, l'OFI, l'OFPRA, Pôle emploi, ils ne vont pas forcément dire, alors, est-ce que tu as une idée pour une entreprise? En fait, ça, ce n'est pas dans les mœurs. Donc, du coup, ils ne vont pas forcément réfléchir à ça. Ça vient un tout petit peu après, peut-être. Enfin, nous, à force d'être un projet philanthropique, qui a dans ses valeurs la valeur d'inclusion et qui notre mission est de soutenir les réfugiés entrepreneurs, bah, tout ce qu'on fait va autour de ça et on est toujours en train de réfléchir comment on peut faire. Donc, c'est vrai que notre programme et la manière de l'axe financier marche est vraiment dans cette idée de, c'est pour ça qu'on soutient des incubateurs. C'est des programmes qu'on ne peut pas se faire en interne et puis pourquoi faire s'il en existe des très bons. Donc, plutôt travailler avec des programmes d'incubation et puis leur communiquer et que eux, en tant que partenaires, peuvent dire non, à toi, tu cherches du financement, bah, tu sais, il y a à faire. Donc, faire, ils font des prêts d'honneur, tu peux aller là-dedans. Nous aussi, on essaie de communiquer à notre niveau, à notre échelle de ce qu'on fait, mais aussi d'autres partenaires. C'est vrai que faire se positionne sur des projets de grande ampleur. Donc, on ne va pas financer un projet de micro-entrepreneuriat. Ce n'est absolument pas une question de jugement de valeur ou autre. Tout projet entrepreneurial a une valeur sociale économique. C'est juste que nos compétences ne sont pas là-dedans. Et en plus, il y a une super organisation qui accompagne, qui a un programme mais magnifique en France qui s'appelle l'ADI. Et donc, on ne va pas refaire encore une fois quelque chose qui est déjà fait. On va se concentrer sur là où il y a un trou. Après, je pense que pour nous, ce qui manque, c'est de la communication. C'est aussi notre deuxième axe de travail et pour laquelle il manque des données. Donc, nous, on réfléchit sur des études que nous pouvons financer ou que nous pouvons monter avec des structures de recherche pour faire sortir justement des données qui nous permettra d'évaluer justement l'impact économique qu'on sait là, qu'on sait vient des entreprises qui ont été lancées par des entrepreneurs issus de la migration forcée. Mais aussi, il y a une question de collaboration. Il faut qu'on se sorte de nos silos. On a tendance à tous travailler dans son silo, ce qui est normal, c'est nos compétences. Mais du coup, je sais que même enfin, là, autour du table ronde, on est trois organisations qui pourraient collaborer, j'en suis sûre. Après, il faut juste qu'on réfléchisse un peu et qu'on prenne le temps. Et je pense que pour communiquer sur quels accès au financement existent et pour faire reprendre le message et aussi donner l'idée de dire non, non, vous pouvez, juste parce que vous, enfin, oui, vous avez des difficultés, vous avez dû quitter votre pays, votre réseau professionnel, enfin, quand même, recommencer sa vie à zéro, c'est compliqué. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une éducation, qu'on n'a pas une expérience, enfin, tout ça ne part pas, ça reste. L'envie, enfin, ça reste. Il faut juste être accompagné pour savoir où chercher les outils nécessaires pour lancer le projet. Et du coup, c'est vrai que chacun de nous, on a un apport à faire. Donc, si on peut organiser du collaboration
là du coup je vais parler en anglais, cross-sectoral, en fait, entre structures, entre parties prenantes, à des différents niveaux. Et c'est vrai, c'est ce qu'on essaie de faire avec nos partenariats avec les incubateurs. Mais aussi, on réfléchit à, bah, du coup, peut-être qu'il faut qu'on commence, et on a déjà commencé à parler avec des avocats, avec des comptables, comment est-ce qu'on peut nouer d'autres partenariats opérationnels qui nous permettra de faire des liens et de faire des ponts. Parce que l'idée, c'est de dire, OK, moi, je ne peux pas faire, mais je sais quelqu'un qui peut le faire, et du coup, je peux faciliter la présentation, et du coup, je dirais même aller plus loin. Bon, c'est une idée à débattre, mais c'est vrai que c'est un problème dans le monde de la philanthropie où on reste très, très privé, on ne partage rien. Ça commence à évoluer, ça commence à changer. Mais c'est vrai qu'il y a eu des idées pour beaucoup de fondations de dire bah, « je ne peux pas financer tous mes projets, mais j'ai fait mon due diligence. » Donc, qu'est-ce qui m'empêche de ne pas partager mon due diligence avec une autre fondation qui a un programme similaire, qui peut-être peut bénéficier, et peut-être que moi, je n'ai pas pu financer ce programme, mais peut-être qu'un autre. Donc, cette idée-là de dire, bah, est-ce qu'il n'y a pas d'autres informations qu'on puisse partager dans le bien social, dans le but et l'idée de permettre plus d'opportunités aux entrepreneurs qui ont envie d'entreprendre, mais qui sont bloqués un peu par un système, une culture qui fait que c'est vrai que la France, anti-risque, voilà, on aime bien que tout soit bien calé, et parfois, quand on arrive sur place, tout n'est pas bien calé. Mais ça ne veut pas dire que l'idée n'est pas bonne. Donc voilà, je dirais nouer et puis encourager. C'est vrai que faire, c'est une de nos volontés, de vouloir se lancer dans cette idée-là, de créer un mouvement. Bon, après, voilà. On est une toute petite équipe, donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'idées, mais justement, on a besoin d'autres acteurs pour pouvoir les mettre en marche. Mais, je pense que les idées sont là et les possibilités sont là. C'est une question de chaque personne à son niveau, que ce soit une structure ou autre, de dire, OK, moi, je m'engage. Et c'est vrai que je suis inspirée par notre fondateur, Nick, qui lui, enfin, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que je suis là avec ce travail que j'adore. C'est cette idée. Lui, il a dit, OK, je suis entrepreneur et je suis réfugié. Si moi, je ne m'engage pas, bah, qui va le faire? Et c'est vraiment ce simple constat qui est né faire. Et donc ça, on a envie de partager et de dire, bah, c'est possible. Super. Et sur cette touche très positive, on va parler de solutions. Donc, est-ce que vous allez partager des idées avec nous? J'ai envie de partager avec notre audience des idées de dispositifs en fait que vous avez mis en place donc dans vos différentes instituts, organisations dont vous êtes fiers, qui ont apporté des résultats. Et justement, pour rebondir sur ce que tu disais, Christina, du fait qu'il faut se mobiliser, s'organiser et casser les silos, qui peuvent aussi peut-être bénéficier à des financiers, à d'autres organisations qui peuvent s'en inspirer. Donc, chez We Do Good, par exemple, Susanna, quel est le dispositif que vous avez mis en place dont vous êtes vraiment très, très fière, qui a apporté des résultats et qui est dans cette continuité d'inclusion financière? Ben nous, c'est le modèle de financement en lui-même. Hein. On a créé à la fois au niveau juridique et technique, tout se passe par une plateforme web. Et c'est vrai qu'on est fiers parce que c'est un outil qui marche. Aujourd'hui, on a des projets qui passent par nous, qui sont ensuite financés par la NEF ou d'autres banques parce que le premier financement, il apporte une sorte de caution. On a des projets qui passent par nous et ensuite sont financés par des fonds d'investissement ou des plateformes d'investissement participatif comme l'ITA ou WeSeed. Donc, ça veut dire que c'est des projets qui grandissent par la suite. Et surtout, on a des projets qui versent des royalties à leurs investisseurs. Donc, ça veut dire que ça marche, qu'ils font du chiffre d'affaires et que la valeur ensuite est partagée. Après, on a un petit outil qu'on a créé surtout pour gagner du temps, hein, c'était assez individualiste comme objectif, mais un outil qui s'appelle trouverlebonfinancement.fr et qui permet aux porteurs de projets de répondre à quelques questions, et selon les questions qu'ils répondent, ils arrivent sur le mode de financement participatif qui semble correspondre le mieux, et ensuite ils ont accès à la liste de l'ensemble des plateformes qui existent en France et qu'ils proposent, avec en plus quelques conseils sur comment choisir sa plateforme. Donc pour nous, c'est juste, ça nous permet de gagner du temps au téléphone quand ils nous demandent des conseils, mais c'est vrai que c'est un outil qu'aujourd'hui est
a été réutilisé par BPI France, a été réutilisé par Financement Participatif France. Donc, c'est un outil qui est vraiment utile et qui est très, très pertinent quand on se pose la question, bah, comment je fais? Merci, c'est passionnant. Et Julien, à la NEF, le dispositif dont vous êtes vraiment très fier et qui répond justement à ces enjeux d'inclusion financière. Compliqué parce qu'il y en a beaucoup. Non, bah, je dirais que le premier qui nous occupe tous les jours, c'est le financement. Au niveau de la NEF, alors c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de montant et c'est vrai que nous, on a un minimum quand même, on a un minimum d'intervention tout à fait en lien avec ce que Susanna a pu dire tout à l'heure, c'est par rapport à la rentabilité aussi de l'activité. Notre minimum, nous, d'intervention est à 15 000 euros. Malgré tout, aujourd'hui, à la NEF, on a sur nos prêts, on a environ 50% de l'activité, 50% des prêts qui sont faits tous les ans vont à la création d'activités, vont à la création d'entreprises. Ce qui est quand même une grosse spécificité de la NEF en France, hein, parce qu'aujourd'hui, une banque, aucune banque aujourd'hui, n'a 50% d'activité à la création d'entreprises dans son portefeuille tous les ans. Donc ça, on en est très fiers. On travaille avec le Fonds européen d'investissement depuis plusieurs années maintenant, le Fonds européen d'investissement avec qui on a mis en place des conventions de garantie pour des projets de petits montants, entre guillemets, avec plein de guillemets, jusqu'à 25 000 euros et des montants plus importants. Donc, c'est des conventions différentes. Mais l'idée est la même derrière. C'est vraiment, on retrouve le même mot, c'est l'inclusion. On retrouve l'inclusion financière dans la mesure où cette garantie cette garantie proposée par le Fonds européen d'investissement, le FEI, eh bien, va justement être destinée à faciliter le financement. C'est-à-dire qu'il y a des projets sur lesquels la NEF pourrait aller, mais il y a de l'innovation, il y a plein de choses qui font que il y a un risque. Et c'est vrai que cette garantie va venir garantir le prêt de la NEF, va faciliter, va mettre de l'huile dans les rouages et du coup va faciliter notre intervention et notre financement. Donc, je dirais, il y a à la fois les financements de la NEF en règle générale, qui est quand même, je pense, une grande fierté. Le fait qu'il y ait 50% de l'activité de la NEF qui aille à la création d'entreprises, grosse spécificité, et cette particularité en France, c'est du coup de travailler avec le Fonds européen d'investissement, sachant que le Fonds européen d'investissement travaille de cette manière avec un seul établissement par pays européen. Et en France, c'est la NEF. Voilà. Merci. Christina, chez FEB, s'il y a un ou deux dispositifs dont vous êtes très fiers et qui ont répondu à ces enjeux d'inclusion financière, ce serait lesquels? On est fiers de tous nos projets et partenariats chez FEB. Non, mais je veux dire, en fait, on est vraiment fiers du lancement du programme de prêt d'honneur qui est vraiment... c'était un peu le raison d'être. Vraiment, on était là, on a dit comment est-ce qu'on soutienne. Ça a pris du temps, on a quand même pris un peu de temps au début pour faire de l'exploration, de voir un peu, de consulter avec des acteurs en France, en Europe, aux États-Unis, au Canada, tout ce qui travaille avec les entrepreneurs réfugiés pour savoir un peu quels étaient les blocages, quels étaient, lisses. Hein, qu'elles étaient systématiques, quel que soit le pays, qu'elles étaient propres à la France. Et donc voilà, l'idée de monter. Et puis, le programme de prêt d'honneur, c'est le cœur de notre métier. Et c'est vrai que tous les autres programmes sont faits pour justement créer ce pipeline et pour qu'on puisse soutenir. Parce qu'on sait que le vrai nerf du guerre, on a fait une étude l'année dernière avec une structure en Angleterre, The Center for Entrepreneurs. Et c'était un sondage de toutes les une bonne nombre de programmes d'incubation au niveau du monde, des programmes d'incubation pour entrepreneurs, réfugiés et migrants. Et 56% disaient systématiquement accès au financement. C'est mon plus gros problème. Je sors du programme d'incubation et je suis confrontée au mur, j'arrive pas. Donc, on savait que nous, il fallait qu'on apporte cette réponse. Donc, on est vraiment fiers. Aujourd'hui, on a trois entrepreneurs. Le programme a été lancé il y a un an.
Donc aujourd'hui, on a 3 entrepreneurs de 3 pays différents, de 3 secteurs économiques complètement différents. Et du coup, voilà, de voir l'évolution, c'est tôt. Et enfin, voilà, forcément, quand on lance une entreprise, il faut avoir une vision à long terme. Et notre programme de prêt est un reflet de ça. C'est-à-dire, les prêts d'honneur, donc les prêts à taux zéro, sont disponibles de 1 000 à 30 000 euros. Donc, voilà les montants, les tranches pour lesquelles on peut investir. Après, on est assez flexible dans notre niche et dans les facteurs d'évaluation, etc. Quand même, la construction de ces prêts sont assez flexibles dans le sens où le calendrier de remboursement va être calculé en fonction de l'entreprise. Si on voit que c'est une entreprise qui aura un cycle de vente très très long, on ne va pas demander les remboursements de suite. Enfin, on n'est pas là pour mettre les bâtons dans les roues, on est là pour faciliter justement l'avancement de l'entreprise. Et on est fiers aussi de voir pour quel nombre le préfère a été facteur déclenchant des autres financements. Et donc, ça aussi, c'était un des objectifs de ce programme. Donc, c'est vrai que le programme de prêt, et puis on n'exclut pas qu'il y a un deuxième prêt qui puisse être fait. Donc, ce serait toujours évalué en fonction de l'évaluation, l'évolution du business. Si on estime que ça a du sens et qu'on voit que, quand même, concrètement, le premier prêt a permis un grand effet de levier pour la croissance à son niveau. Quand on est toute jeune, forcément, on ne part pas d'un chiffre d'affaires de 10 000 à 100 millions dans un an. Enfin, on n'est pas tous Google ou autre, et même eux, ils ne l'ont pas fait. Donc du coup, enfin, tout est dans cette évaluation, mais on a la chance d'être un outil philanthropique qui nous permet, le prêt d'honneur, c'est permis parce qu'on est un fonds de dotation. En gros, sinon, les autres structures, on n'a pas de licence, on ne peut pas faire des prêts à taux d'intérêt ou d'autres modèles de financement. On n'est pas une structure de financement, on n'est pas une banque. On est un fonds de dotation qui nous permet d'avoir plusieurs programmes autour de ce programme de prêt. Mais je pense que pour nous, voilà, cette idée de dire que, OK, on a preuve de concept, nous. On a la preuve que ça marche. Donc, les premières méthodologies qu'on a mis en place, ils marchent. Donc, il faut continuer à tester, il faut continuer à faire des modélisations et de voir comment ça peut évoluer. Mais le fait que c'est là et qu'on sait que ça répond à un besoin, pour nous, c'est très, très prometteur pour le futur, sachant que le projet a plus long terme de faire. Donc, aujourd'hui, on est un fonds de dotation avec ces programmes. Mais l'idée et la vision à plus long terme, c'est de créer une deuxième structure qui est un fonds d'investissement. Mais ça viendra dans un temps futur. Aujourd'hui, il faut quand même qu'on réussisse à lisser le pipeline et permettre aux entrepreneurs de partir vers une idée jusqu'au lancement et lancement sur le marché, si j'ose dire, aisément. Super, super passionnant. Alors, en vous écoutant, j'ai eu une question. Donc elle n'était pas prévue, cette question, mais je vais quand même vous la poser parce que je suis très curieuse de savoir ce que vous faites. Je pense à l'importance, en fait, du mentoring et de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on peut avoir tout l'argent du monde et tous les financements. C'est déjà une vraie difficulté pour y accéder. Si on n'a pas les bonnes personnes et si on n'est pas accompagné ou coaché, parce que voilà, c'est vraiment les montagnes russes de se lancer, ça peut être très, très compliqué. Et surtout, encore plus dans un pays, je pense, comme la France, qui est un pays où il y a énormément de codes. Et les codes, en fait, si on n'est pas né ici et qu'on n'a pas grandi ici et qu'on n'a pas une famille qui les a, c'est très difficile de ne pas tomber du ciel. Et je voulais savoir, dans vos différentes organisations, comment est-ce que vous alliez justement ce sujet d'inclusion financière et de mentoring et d'accompagnement, est-ce que vous avez des dispositifs en interne ou est-ce que vous connectez, qu'est-ce que vous avez mis en place sur cette partie-là? Susanna, par exemple, chez We Do Good. Oui, alors nous, chez We Do Good, de toute façon, pendant toute la levée de fonds, il y a un programme d'accompagnement. Nous, on accompagne les entrepreneurs, on les conseille sur comment animer leur campagne, comment mobiliser leur réseau. Parce qu'en fait, même notre modèle économique va dépendre de leur réussite. Donc, on a tout intérêt à mettre
toutes nos connaissances à leur disposition. Et après, c'est plus au niveau de l'équipe des associés, comme nous, on s'est toujours fait mentorer dès le démarrage de Widowood. Aujourd'hui, on donne un retour et ça arrive assez régulièrement comme mentor aussi des entrepreneurs qui ne passent pas forcément par ma plateforme. Là, je l'ai fait deux fois, notamment avec Womanet, sous entrepreneuriat féminin. Et voilà, pour nous, c'est important de donner un retour qu'on en a aussi reçu à des moments qui étaient importants pour nous. Merci. Et Julien, à la NEF, vous avez des dispositifs d'accompagnement pour vos entrepreneurs ? En fait, aujourd'hui, la NEF est organisée, on a une quinzaine de bureaux sur toute la France métropolitaine, plus un partenariat avec une structure à Fort-de-France qui gère toute la partie Antilles. Donc, on a une quinzaine de points et c'est vrai que sur ces 15 bureaux, au total, on est 25 conseillers, grosso modo. Et chaque conseiller a fait ce travail-là, justement, d'aller chercher ou de recevoir, comme on disait tout à l'heure, des projets, de les étudier et du coup d'échanger, de rencontrer les personnes, soit physiquement, soit en visio à l'heure actuelle, mais en tous les cas de rencontrer toujours les personnes dans le cadre du montage du projet et puis de réfléchir sur le prévisionnel, réfléchir sur le plan de financement avec en tête toujours de bien financer une structure. Non pas de financer le maximum possible, mais de bien financer une structure. Et donc, du coup, dans le bien financer une structure, au niveau du plan de financement, il va y avoir sur certains projets, voir comment on peut augmenter les fonds propres, voir comment WeDoGood peut intervenir dans le plan de financement, comment un tel ou un tel peut intervenir sur de la subvention, de manière à ce que le projet soit le plus facilement viable. L'idée n'est pas que la personne ou les personnes créent une entreprise pour survivre. L'idée, c'est vraiment que les personnes créent une entreprise qui porte des choses et qui permettent de vivre correctement du travail qui est réalisé. Donc, voilà. Merci. Christina Schaeffer, vous avez une vision autour du mentoring et de l'accompagnement ? Oui, du coup, en fait, ça fait partie du programme de prêt. En fait, le programme de prêt, c'est pas juste, voilà de l'argent, débrouillez-vous à plus tard. En fait, l'idée, c'est que quand même, il y a un accompagnement qui va avec parce qu'on sent qu'il y a un besoin. Et puis, comme a dit Julien et Susanna, en fait, c'est dans notre intérêt. En fait, nous, les prêts, l'idée, c'est de faciliter la réussite et de soutenir la réussite de l'entrepreneur et son projet, mais aussi qu'il ou elle nous rembourse pour qu'on puisse le reprêter à quelqu'un d'autre. Enfin, c'est le cercle vertueux qu'on a envie de créer. Donc nous, après, parce que chaque entrepreneur est différent et chaque projet est différent et que nous, on n'est pas spécialisé dans un secteur ou une autre, du coup, le mentoring, c'est du sur-mesure. Et ce serait en fonction d'eux. Et c'est vrai qu'on est au tout début, donc on est en train de le développer. C'est-à-dire, quand, pour l'instant, ça a été parmi l'équipe en interne, par Nick. Et aujourd'hui, on met en place aussi, on va tester un nouvel système de reporting et de réunion par Zoom. C'est notre nouvelle mode aujourd'hui. Avec le board, avec Nick, pour pouvoir avoir des séances de stratégie de discuter. Donc, en fait, là, on va dire l'apport en mentoring jusqu'ici a été vraiment stratégique, vision globale, parce que c'est en fait l'apport qu'on puisse apporter parce qu'on a du recul vis-à-vis de leur projet. Après, on constate que chacun va avoir des besoins particuliers dans des secteurs particuliers et peut-être que leur secteur d'activité est aussi particulière. Et donc là, du coup, on sera forcé, c'est normal qu'il faudra trouver de l'expertise à l'externe de faire. Et donc, on est en train de chercher, justement, ça c'est un des projets sur lesquels on réfléchit aujourd'hui, trouver des gens qui vont commencer à travailler sur des projets de mentoring, sachant que pour le coup, ça ne va pas être du one shot quand même, nos prêts peuvent durer jusqu'à 4-5 ans. Donc, l'idée, c'est de dire, on a envie de quelqu'un qui puisse s'engager pendant cette période. Et on constate, on sait, on comprend, c'est long quand même. Parfois, c'est quelques autres programmes, ça va être 6 mois ou 1 an. Mais là, on va dire,
ça va être un peu plus. Donc, on va tester. Peut-être que ça marche, peut-être que ça ne marche pas. Enfin, voilà, on n'est pas défaitiste. On dit non, non, quand même. Et on commence par nos réseaux en interne. Donc, les réseaux professionnels que nous, on a et qu'on a le bénéfice d'avoir pu construire au fur et à mesure pendant les années. Et l'idée, c'est aussi qu'on ouvre plus large. Et pourquoi pas, là aussi, réfléchir à des partenariats avec des autres structures qui ont déjà des groupes de mentors au sein de la structure. C'est vrai que nous, on est un fonds privé. On n'est pas une fondation d'entreprise. Donc, on n'a pas 10 000 salariés à notre disposition qui sont spécialisés dans certains métiers. Donc, il faut que nous, on réfléchisse d'autres manières. Mais c'est sûr que l'accompagnement et le mentoring, c'est clé pour la réussite. Ce n'est pas juste un prêt ou juste comme ça. Ouais, passionnant. Mais merci beaucoup pour ces explications. On va passer aux questions des participants. J'ai encore plein de questions, mais on va partager notre temps. Alors, j'ai une question pour vous en ce qui concerne le contexte d'actualité, donc le Covid. Est-ce que vous avez mis en place des dispositifs particuliers pour les entrepreneurs impactés par le Covid ? Je peux répondre. On a mis en place des dispositifs particuliers, alors spécifiques aux entrepreneurs impactés par le Covid, en fait, qui ont été impactés par le Covid. Chez WeToGood, nous, on a surveillé de près parce qu'on avait peur pour les entreprises qu'on a déjà financées et qui étaient en cours de versement de royalties. Et c'était assez étonnant, on a découvert qu'en fait le modèle des royalties est aussi adapté au temps de crise parce qu'en fait à partir du moment où il y a plus de chiffre d'affaires ou qu'il y a une baisse de chiffre d'affaires, bah, leur engagement il baisse aussi parce que c'est toujours un pourcentage. Donc si j'ai pas de chiffre d'affaires pendant un trimestre, bah, j'ai rien à verser à mes investisseurs. Donc ça c'était un avantage qu'on savait déjà, mais là on l'a vu dans la vie réelle, c'était pratique, on n'a rien à faire. Après, l'autre chose qu'on s'est rendu compte et qui n'est pas vraiment une mesure, mais c'est que pour les levées de fonds qui étaient en cours, on pensait que ça allait s'arrêter, que les gens allaient arrêter de contribuer parce qu'on était dans une période un peu incertaine où on ne sait pas trop où on va aller, donc je vais faire gaffe, je ne vais pas dépenser de l'argent. Et en fait, pas du tout. On a eu plus d'investissements spontanés de particuliers qui avaient envie de soutenir des projets, notamment dans le domaine de la santé, de l'alimentation, des projets qui parlent aujourd'hui beaucoup plus maintenant. Et c'était vraiment étonnant. On ne s'attendait pas du tout et pour moi, c'est un bon signe. Ça veut dire que quand ça ne va plus, on est quand même, on tient quand même à soutenir ceux qui osent entreprendre et c'est un bon signe. Merci. Christina ou Julien, vous voulez partager Julien ? De notre côté, nous, on a depuis mars, en fait, hein, on a mis en place pas mal de reports d'échéance. Au total, à peu près 600 prêts ont vu leurs échéances reportées de 3 à 6 mois en lien avec le Covid. Et là, on étudie de nouveaux dossiers pour de nouveaux avenants, de nouveaux reports. Alors, la plupart, ce sont des dossiers qui ont déjà eu un report pour compléter le report au vu de la situation. Mais on a aussi quand même quelques entreprises qui nous ont contactés pour arrêter le report, pour reprendre les échéances normalement, parce que la situation se passe mieux que prévu. Donc ça c'est super aussi, ça permet d'aller de l'avant. Mais voilà, nous ça s'est vraiment joué sur les reports d'échéance. Et je dirais aussi cette volonté de ne pas couper avec certains secteurs. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des secteurs qui n'ont pas du tout souffert de la crise Covid, genre par exemple les magasins bio que l'on finance nous beaucoup, aujourd'hui très peu ont été impactés. Et à côté de ça, par contre, il y a d'autres activités en lien avec le culturel, en lien avec la restauration, où là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc en général, aujourd'hui, ces projets-là sont un peu en stand-by
voilà, prennent du temps. Quoi qu'il en soit, nous, on n'a pas eu de politique en interne pour de dire on arrête de financer ces métiers-là ou ces secteurs-là. Ce que je sais, d'autres banques ont pu faire. Je ne dis pas que c'est facile, encore moins facile de financer aujourd'hui un restaurant, par exemple. Ça ne l'était déjà pas et c'est toujours encore moins facile. En tous les cas, ça reste des projets que l'on étudie. Merci. Christina, je vais faire. Ben oui, justement, en fait, faire a monté en collaboration avec SIGA, d'ailleurs, un de nos partenaires, et enfin un partenaire commun entre FAIR et la Fondation Edmond de Rothschild. Donc, deux structures financières, voilà, on a monté un fonds de solidarité pour le Covid, en fait, né d'un constat où il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui étaient à un endroit, on va dire, dans le développement de l'entreprise, donc soit au pré-lancement, soit au début du lancement, et ou bien ils étaient en statut d'entrepreneur ou dans un métier qui était complètement mis à l'arrêt à cause du confinement, des services de traiteur, de restauration, etc. Et donc voilà, enfin, on a eu la réaction de dire bon bah en fait, ce sont des personnes qui sont impactées directement par le confinement et qui n'ont pas accès à toutes les aides gouvernementales, faute de statut, faute d'évolution de leur structure, et donc ils n'avaient pas de recours. Et donc rapidement, c'est vrai que parfois dans le monde de la philanthropie, les choses prennent du temps, mais là quand même, on a réagi, on espère assez rapidement, pour pouvoir monter justement un fonds d'urgence où on a pu soutenir plusieurs structures. Et puis là, évidemment, j'ai pas les chiffres en tête, ça c'est mon grave erreur tout le temps, j'oublie les chiffres, mais on a effectué quand même soit des dons à des entreprises, enfin, pardon, à des associations, des structures d'associations qui avaient des entrepreneurs et des réfugiés, des migrants parmi les bénéficiaires, soit des entrepreneurs directement via des subsides, des soutiens et le fonds de solidarité pour il y avait 50 000 euros qui ont été distribués parmi, si je ne me trompe pas, 14 structures et entrepreneurs pour leur offrir un soutien pendant cette période, pendant qu'eux, ils n'avaient pas recours à d'autres soutiens. Donc, on a reconnu qu'il y avait un grand besoin et qu'il fallait répondre. Donc, je crois que toutes les trois, on est très, très heureuses parce qu'on est trois femmes qui étaient à la base du projet. Donc, on est très heureuses d'avoir pu mettre ça en place et offrir un soutien. Donc, on attend des nouvelles là, on attend un tout petit peu pour voir justement quel impact ça aurait pu avoir, parce qu'on estime que c'est aussi des choses à apprendre. Il y a à apprendre de cette expérience et on espère quand même que, enfin, on sait que certains, parce que certains sont dans l'écosystème de FAIR également, donc je peux les suivre d'un peu plus près. Et du coup, je sais que pour certains, ça a été un vrai soutien. Ça a été un vrai soutien et vraiment nécessaire. Donc, on est très heureux de pouvoir avoir eu cette action. Merci, c'est de belles histoires. Alors, pour rester dans des choses très positives, on a une autre question. Avez-vous des exemples de success stories d'entreprises fondées par des réfugiés? Et si oui, pourquoi, à votre avis, ces histoires ne sont pas connues du grand public? Est-ce que vous voulez partager des success stories, par exemple, chez We Do Good, Susanna? Est-ce que vous avez... une success story qui vous a touché plus particulièrement? Malheureusement, on n'a pas encore accompagné de projets de réfugiés. C'est pas, on pourrait, c'est juste qu'on n'a jamais été sollicité. Mais on espère pouvoir en avoir tant bientôt. Christina? Je dirais, les trois entrepreneurs que nous soutenons sont des success stories. Après, ils sont, voilà, leurs structures sont très jeunes. Donc, voilà, on n'est pas dans des histoires d'entreprises qui ont 10 ans d'existence, etc. Mais voilà, enfin, comment vous dire? Donc, le premier entrepreneur qui a reçu un prêt de notre part, donc Heiss, un Syrien qui a un programme, enfin, une entreprise de recyclage industriel, recyclage de métaux,
qui a, lui, enfin, il nous a emballé, le jury, il a, et lui, un success story qu'on voit, il est passé par plusieurs incubateurs, Singa, Make Sense, il est passé par la Casady, c'est quelqu'un qui est allé justement à la recherche du financement, il ne s'est pas arrêté, il a dit, bon, ok, je passe par toutes ces étapes. Lui et moi, on a communiqué pendant un an avant qu'il a postulé pour faire, pour qu'il puisse être prêt pour le faire. Et son entreprise, déjà, il y a une grande entreprise dans le monde du recyclage du métal qui a voulu lui acheter son entreprise déjà. Et il a refusé parce qu'il a dit, ben non, je suis entrepreneur. En fait, l'idée, il voulait l'embaucher et le faire travailler en interne. Ce qui est une signe très positif dans le sens que si une des grandes acteurs du secteur veut acheter ta boîte, ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose là derrière. Donc voilà, ça c'est une. On a un autre, Roux Savard, qui est également président aujourd'hui de Singa, qui lui a une grande expérience de journalisme, qui avait déjà lancé un projet dans les lettres persanes et qui a fait évoluer ses projets. Enfin, ce projet lui a déclenché l'idée de Jahan Info, un appli de business intelligence qui justement entre dans le marché de tous les logiciels de news information, donc que ce soit The Economist Intelligence Unit, Reuters, Mackenzie Woods, si je ne me trompe pas, je ne connais pas tous les acteurs du secteur, mais du coup, en mélangeant l'intelligence artificielle et ses compétences et justement sa connaissance de son pays d'origine et d'autres pays, en fait, c'est un vrai exemple d'innovation de la force des entrepreneurs migrants réfugiés qui viennent, qui ont une idée, qui puissent voir, à force de l'expérience d'avoir vécu dans plusieurs pays, de dire « je vois une opportunité ». Et du coup, aujourd'hui, ils sont en période de lancement. Et notre troisième entrepreneur, Ousmane Ba, qui est un Guinéen, qui est passé par, lui aussi, la case du réfugié. Il est venu en France et il est passé par des expériences très, très, très difficiles et qui est enseignant et qui s'est rendu compte, et ça se montre aussi la générosité de l'esprit donc, dans son malheur, et il s'est rendu compte qu'il y avait d'autres migrants qui vivaient en France depuis 20, 30, 40 ans, mais qui ne savaient ni lire ni écrire leur français. Et bien, dans sa première logement, un logement public, il a commencé à travailler avec eux. Et puis, il a été muté dans un autre logement. Et du coup, il a dit, bah, comment est-ce qu'on va continuer les cours d'alphabétisation. Et son projet est né. Du coup, il a une application d'alphabétisation qui est juste incroyable. Et nous estimons qu'il a énormément de potentiel. Donc, avec l'investissement du prêt du fer, bah, il est en train de créer le deuxième module de son application d'apprentissage et de créer des nouvelles kits pour se lancer l'entreprise dans les ventes, dans les premières ventes. Sachant qu'il a déjà eu un proof de concept avec un crowdfunding, lui. Voilà, il a fait une campagne crowdfunding qui lui a permis de produire quelques exemples pour pouvoir faire le test du concept. Donc, quand il est venu nous voir, le proof de concept était là, mais il avait besoin d'investissement pour se lancer. Donc, trois histoires jeunes, certes, mais nous estimons trois histoires à succès et qui ont un bel futur devant eux. Donc on est ravis de pouvoir les soutenir et les suivre. Merci, c'est de très belles histoires. Julien, une histoire que tu as envie de raconter ? Pas en lien avec. Non, on n'a pas eu, comme Widougou, on n'a pas eu encore de projet porté par des migrants au niveau de la nef. Non, malheureusement, non, pas encore. Ça ne serait tardé. Mais non, on n'a pas encore d'exemple à donner, malheureusement. Grâce à ce panel, il y aura plein d'autres exemples. Exactement. Rendez-vous l'année prochaine. Alors, on a une autre question. Si j'ai bien compris. Alors, oui, donc vous positionnez, donc vos organisations se positionnent plutôt sur le fond d'amorçage. Quel est votre ticket moyen en une minute, on va dire. Julien ? Alors, tout à l'heure, je disais, notre minimum d'intervention, c'est 15 000 euros.
On peut aller jusqu'à 4 millions d'euros, donc c'est très très large. On a une moyenne aujourd'hui, qui est à 150 000 euros par prêt, mais une médiane, donc c'est-à-dire la majorité, je dirais, des financements sont plutôt entre 80 et 100 000 euros. Merci. Susanna ? Nous, le minimum, c'est 10 000. Il n'y a pas de maximum théorique. Le maximum qu'on a fait jusqu'ici, c'était autour de 200 000. En fait, plus on va chercher d'argent en échange de royalties, plus on s'engage sur son chiffre d'affaires. Donc, on conseille, on ne recommande même pas d'aller chercher trop parce que ça implique un engagement. Et la moyenne, elle est de 60 000 euros. Merci. Christina ? Nos prêts partent de 1 000 à 30 000 euros. Donc aujourd'hui, ce sont des enveloppes. Sachant que dans l'idée du projet à plus long terme, pour nous, l'acquisition d'un prêt auprès de FER et de Travail en Partenariat, c'est une première entrée vers des investissements en equity plus tard, à un temps futur. Mais pour l'instant, le programme de prêt reste limité à 30 000 euros. D'accord, super. Pour rester sur les questions sur le financement, est-ce que vous faites de l'accompagnement pour le montage financier de nos projets ? Je peux commencer si vous voulez. Au niveau de la nef, on intervient vraiment à la phase financement. Donc, je serais dans l'optique de dire non. Mais quand on étudie les projets, ce que je disais tout à l'heure, on étudie très fortement les plans de financement dans cette optique de bien financer la structure. Et donc, de par ce souci-là, on est amené à potentiellement, parce que ce n'est pas le cas sur tous les projets, on peut être amené à accompagner les porteurs de projets en mettant en lien ces personnes avec des financeurs qu'on connaît ou des outils que l'on connaît. Merci. Susanna ? C'est un peu comme la nef. Nous, quand les porteurs de projets arrivent chez nous, ils ont déjà un document de présentation avec un prévisionnel, un plan de financement. Après, il se peut qu'on soit amené à le revoir ensemble parce que, bien sûr, on va poser des questions et parfois, nos questions, on challenge un petit peu aussi le prévisionnel et le plan de financement. Et c'est surtout après la levée de fonds, là, il y a un accompagnement parce que nous, on a tout intérêt à que, après notre financement, il y ait d'autres financements qui arrivent. Donc, on a des conseils, on a des mises en relation pour que notre financement à nous, il fasse effet de levier auprès des banques. On peut mettre en relation avec la NEF, par exemple, auprès de BPI et d'autres structures de financement. Donc, c'est plutôt après. Merci. Christina ? Je veux dire oui et non, dans le sens où le processus justement de demande de prêt au sein de FER, par nature, il va y avoir un accompagnement. Donc, quand on passe par les étapes, et par exemple, pour les structures qui vont passer jusqu'au pitch, on va les coacher pour le pitch pour être sûr qu'ils présentent les informations nécessaires. Après, il y aura du Q&A. Ça, c'est à eux de répondre. Mais du coup, donc, on va les accompagner et les aiguiller par rapport à ce que sont nos critères et comment faire pour avoir accès à un prêt de FER. Pour le reste, c'est vrai que c'est tôt pour nous. Donc, je dirais, c'est à voir. C'est vrai que nous, notre accompagnement, justement, par le fait qu'on a une petite structure et on est au début de notre activité, on évolue. Donc, si on constate que, oui, en fin de compte, c'est une évolution naturelle et un grand besoin et une valeur ajoutée qu'on peut apporter, on le fera. Déjà, on commence à donner quelques conseils à nos entrepreneurs d'un point de vue très large stratégique. Après, il faudra quand même des expertises dans le monde du financement et du coup, ce serait des partenariats qu'on pourrait voir pour créer. C'est vrai que via nos contacts, c'est aussi un peu dans l'objectif de dire nous savons que nous ne serons pas le seul financement et on n'a pas intérêt à être le seul financement. On a intérêt à faciliter la voie vers d'autres financements. Mais c'est clair qu'un prêt de 30 000 euros, ce n'est pas la même chose qu'une demande de financement, son premier lancement en seed où on cherche à collecter 3 à 4 millions, donc, voire plus. Donc, c'est vrai que c'est d'autres... ça veut dire que l'entreprise, elle, a évolué.
à un certain niveau pour justement justifier cet investissement grâce à l'activité qui existe déjà. Super, merci. Alors, est-ce que vous avez des exemples d'associations que vous avez accompagnées qui sont devenues des entreprises ? Elle revient souvent cette question dans le monde de l'ESS. Susanna ? J'étais justement en train de réfléchir. Oui, on a eu des cas et je n'ai pas d'exemple en tête. on a eu des cas, je pense que je ne veux pas dire de bêtises, mais dans le monde de conseil à l'épanouissement professionnel, quand on veut changer de voie professionnelle, on avait une association qu'on a accompagnée qui a réussi son financement et qui est devenue une entreprise par la suite. Et c'est assez fréquent dans le monde de l'ESS de commencer d'abord par une association pour tester sans prendre trop de risques, sans prendre trop d'engagement, son activité, et ensuite, quand ça commence à prendre l'ampleur, de formaliser un peu plus les choses avec une entreprise. Donc, c'est assez classique. Et ça se gère très bien. Julien, tu voulais rebondir ? Oui, on a eu à financer plusieurs structures qui étaient sous forme associative dans un premier temps, avant de passer en SCOP, par exemple. Ou passer en SIC. Ce modèle-là, on l'a vu plusieurs fois sur des activités très variées comme les espaces verts. J'ai un projet en tête comme ça à côté de Rennes où la structure était une association et est devenue une SCOP. Aujourd'hui, à deux au départ et maintenant ils sont une dizaine. On a quand même les associations de préfiguration Enercop qui sont devenues, alors peut-être pas pour toutes, mais en tous les cas sont devenues des SIC maintenant régionales. Je pense par exemple à l'association Pays de la Loire qui aujourd'hui est une SIC régionale Enercop Pays de la Loire. Bretagne, la même chose, voilà. Et ce sont des structures qui sont clientes de la Nef. Donc voilà. Mais il y en a d'autres qui ne me viennent pas comme ça à l'esprit, mais il y en a forcément plein d'autres. Mais avec toujours de celles que je connais en tous les cas, ce passage d'association à coopérative, enfin du coup à SCOP ou à SIC, c'est ce qui se fait, enfin c'est ce que j'ai en tête. Super, merci. Christina, un exemple à partager, une association qui s'est transformée en entreprise chez FER? Non, en fait, c'est vrai que du coup, le programme de prêt est co-ouvert aux entrepreneurs. Donc forcément, c'est un projet d'entreprise. Donc par biais de la qualification, on n'a pas eu cette expérience. Après, je dirais, enfin pas d'expérience directe, j'ai eu quelques conversations et c'est vrai que parmi nos partenaires et les programmes d'incubation que nous soutenons, souvent, voilà, c'est comme on est au tout début de la réflexion, il y a des entrepreneurs qui vont commencer par une idée d'association et puis après, moi, je vais toujours poser les questions, pourquoi une association, c'est quoi le modèle économique et pourquoi ce choix de modèle économique? Après, il faut se rendre compte quelle est la mission. Est-ce que la mission, parfois la mission est associative, donc on n'a pas le choix, c'est-à-dire que c'est le meilleur outil pour faire lancer la mission. Mais du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas eu à faire ça. On peut au sein de FER donner quelques idées de réflexion parce qu'on a expérience dans le monde de la philanthropie mais aussi un peu dans le monde de l'entreprise également. Donc cette idée d'avoir cette double vision, de dire ok, voilà les points sur lesquels il faut réfléchir. Après concrètement, on aura besoin d'expertise d'avocat, on aura besoin de, c'est aussi des questions qui seront très pointues au niveau juridique auxquelles il faudra se référer et on se positionne pas comme avocat. Chacun son métier. Super. Merci beaucoup. On va clôturer ce panel virtuel. On a répondu à toutes les questions. Je tenais vraiment à vous remercier pour votre temps et pour toutes ces idées et votre enthousiasme. C'est une très, très belle cause et j'espère que justement on aura de
voilà, de très beaux projets qui vont en sortir. Pour les participants qui nous regardent, osez, pour résumer ce que nos panélistes ont partagé, parlez de votre projet, rejoignez des communautés, très important, commencez à créer votre réseau et puis pensez au crowdfunding. Il faut y aller, ayez confiance en vous. Et puis, très souvent, pour être moi-même arrivée en France, pour avoir fait ce chemin, c'est beaucoup de chemin. Donc, vous avez déjà beaucoup de talents et beaucoup de skills et beaucoup de compétences. Donc, je pense que c'est possible. Merci à Singa France, merci à Singa Accélération. Un grand merci à Danoussia derrière l'écran qui a fait un travail phénoménal. Et merci à la fondation Edmond Rothschild. Et merci à tout le monde. Voilà. Belle journée à tous. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Yeah.